mange des poires. Et bien comme ça, Hervé, il est content. Ouais, Vincent, il est content, comme ça. La poutine qui nous espionne. Il mange à tous les râteliers, lui. Ah oui, il aime tout. Ah bon, je crois que... Il est content quand il voit des... Regarde celle-là. Julie. Ça, c'est la crête à Savoie. Dolomite, c'est du calcaire. Dolomite italien. Ça, c'est des souvenirs. Est-ce que tu as le temps de regarder tous ces souvenirs? Non. J'aurai le temps quand je l'ai, tu vois. Ah non, non, mais c'est con, mais je filme tout ça, je fais une vidéo. Enfin, je fais tout sur mon téléphone. C'est-à-dire, je fais plusieurs clips de vidéos dans la journée, tu vois, comme je fais hier. Après, je fais un assemblage rapide sur mon téléphone. Après, je mets ça sur YouTube. J'ai un compte, un compte channel, non pas privé. Au début, non. Public, où j'ai mis les photos, toutes les vidéos de mes gamins. Mais du coup, il y a d'autres gens qui peuvent le voir, quoi. Bon, on s'en fout. Tu crois que les gens sont là à t'espionner Des fois, ouais. Ils s'en foutent, quoi, les gens. Il y a tellement de merde sur YouTube. Ça, c'est vrai. C'est pas une autre huit. Deux heures, tu m'enlèves la souche. Mes engins. J'ai fait un massacre. C'est mission impossible. Oui, tout. Il éclate tout l'angle. Je lui ai dit, me monte le mur, tu me mets de la terre, et moi, pas de problème. Allez, tape 5. Et voilà, l'affaire de limite a gagné quelque chose. Et je lui dis, j'ai précisé, je donne les papiers, et si tu as pas de problème, c'est la limite. Ne bougez pas. Même quand je lui donne, elle dit, mais je n'entends pas de vie, quoi. J'arrive à des médicaments. Et hier soir, elle disait, mais j'ai pas pris mes médicaments. Ah, au moins, c'est quand même pas la mémoire à court terme. Après, tu lui demandes quelque chose. Il faut avoir une idée, c'est pas dit, c'est pas dit. Pourquoi t'as la mise ? Par rapport au canal, je suis rentré dans les archives du canal. Pour emmerder un peu la grès. Ben non, ils ont modifié l'ordure. J'ai fait une lettre par rapport au danger de ce canal. Et puis après, j'ai fait une lettre personnelle au préfet pour lui demander, parce que pas moyen d'envoyer. Comme par hasard, je suis le type qui bâtit chez moi, c'est le type d'en haut, qui voit des servitudes, tiens pour toi. Donc. Quand il y a 8 personnes, elles ne servent pas. Et quand tu vas là, sinon tu manges debout. Là. Ah oui, oui. Heureusement que je t'ai pas amené Françoise. Hein. Et là, on est emmerdé. Parce que là, on est emmerdé. Non, on va lancer Vincent sur le canapé. Oh, la chaise du jardin, il fallait. Moi, ça me va. Fais les abdos. Il y avait. Il y avait. Ah, il veut la chute, le. Non. Mais c'est pas bon pour lui. Ouais, ou bien des carafes en plastique. Voilà. Ils ont tout en fer. Même chez le droguiste, ils ont tout en fer. En verre, je veux dire. Ils en ont pas l'air. Bah, lui, à la de la gare. Oui. Non, bah, oui, tu vas un boui-boui chinois, tu vas trouver des tablettes. J'ai un copain qui a ça. Parce que quand tu veux sur Airbnb, tu veux que. Des choses en plastique. Oui, parce que comme ça, ça casse pas. Oui, c'est ça. T'as trouvé des tasses? Je cherche, mais pas tout. Bon, même pas des tasses, tu peux trouver. Merci. Moi, j'aurais des fois la météo, il faisait plus chaud à Paris qu'à Nice. Et en Bretagne ou en Alsace. Ils n'adhéreront pas, mais. Ah oui, il y a des jours où. Ils jouent chez lui. Dans les francs-maçons. Dans 2-3 familles. Ils sont repartis de camions. Ils en ont ramené 14. Ça fait pas la même chose quand c'est Cédric Lénou qui le fait, ça.
Il se fait attaquer quand c'est ça. Ah, oui. Il va jusqu'en Pologne pour ramener des gens. Il est en Pologne, il a ramené. Donc, il les prend sur leur route d'Italie. C'est ça, ils allaient arriver de toute façon. Sauf que les Ukrainiens ont un statut spécial. Bah, les Syriens aussi, ils ont. Les Syriens sont fait bombarder par la même personne avec la même méthode. Moi, ça m'énerve un peu cette hypocrisie. C'est pas pareil. C'est la même souffrance, mais c'est pas pareil. Si, c'est la même chose. Non, alors là, c'est pas la même religion. On est tous égaux sous les bombes. On est tous égaux sous les bombes. Bah, attends, ça, déjà, on va pas se disputer, Vincent. Politique discuss. Non. Oui. Okay, je vais poser une question. Vincent is back. Vincent. Je vais poser une question. Trademark, Vincent, trademark. Attends, est-ce que je peux poser une question naïve? Vincent, c'est quelle maison? Non, c'est Sarkozy. Après, ça a commencé en Égypte, en Tunisie, la démocratie arabe. Au pire, les islamiques en Syrie, c'est des musulmans. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, la Syrie, à l'époque, il y avait des attentats par Kadhafi, tout ça, la Syrie faisait des attentats en France, dans les métros, dans les avions. Moi, je vois tous les pauvres, il y a plein de Noirs qui sont sous le pont et tout, ils sont pas, ils ont pas 20 ans. Ils sont là dans les couleurs. Par la Russie, là c'est pas une invasion russe. Les Russes ont aidé. Et maman, qu'est-ce que t'en penses, Zara, maman? Ils sont gentils alors. Là c'est l'aide pour gérer un problème interne qui n'en est pas un. C'est un massacre à l'intérieur. Ok. Et entre parenthèses, les trois quarts des Syriens qui sont venus en France, les hommes sont venus avoir les familles. Alors qu'en Ukraine, ce qui est totalement différent. Et les hommes, ils se battent en Ukraine. Je pense qu'il y avait quand même des enfants et des femmes syriens. Ah, mais après, il y en a beaucoup qui sont venus. Il y en a beaucoup qui sont venus, on est d'accord. C'est les mêmes bombes. C'est des gens qui se battaient pour la démocratie. C'est pas le même pays déjà. Mais il faut arrêter d'être. Oui, je suis d'accord, la guerre en Libye, ça arrive. Mais non. En Libye, il y a les Turcs, il y a les Russes, il y a les islamiques, et il y a des Migrants. Mais qui ne comprend pas un mot sur deux. Non, mais je comprends. De mieux en mieux, elle comprend. No guerre. Oui, c'est pas le même. C'est pas le. C'est... On en arrive. Alors là, c'est exagéré quand même. Moi, j'y mets 10. Ouais, mais le problème, c'est même ajouter un peu plus. 15. Sur combien tu mets 10? 15 sur combien? Sur 100? 15. 20 sur 20. Ça fait? Oui, ici. C'est bon ce café. C'est le café italien, faut pas rigoler. Là, c'est un café? Yes. You speak French? Tout le temps je filme, mais t'arrêtes pas de parler quand tu vois une caméra. Oui. C'est plus naturel là, les gens ils regardent la caméra. Merci.